Reto Schmutz, cette victoire ici à Holton, elle était quand même compliquée. Comment vous expliquez ce match difficile ? Oui, je pense que c'était un peu bizarre, je dois dire. Au début, tout de suite, on avait 2-53, puis peut-être on était un peu surpris. On avait quand même, je trouve, pas mal joué, mais l'efficacité devant le but, c'était pas là. Et puis après, on n'a pas trouvé tout de suite le rythme, alors c'était difficile, mais on gagnait quand même 2-1. Puis à la fin, c'était, je pense que les deux équipes étaient un peu au même niveau aujourd'hui. C'était un bon match, et puis oui, on a quand même forcé un peu à la fin, c'était bien pour nous. Puis on est allé chercher le deuxième point. Depuis le début de la saison, on parle toujours du jeu de puissance d'Ajoie qui est magique, si j'ose dire. Ce soir, c'était pas vraiment ça. Non, ouais, quand même, on a quand même gagné. Alors, mais pas en supériorité. Mais oui, c'est ça. Alors, c'est ouais. Je pense que c'est pas tous les soirs la même chose. Au début de saison, c'était peut-être quelquefois un peu trop facile pour nous. Les buts entrent un peu trop faciles. Puis aujourd'hui, on a vu qu'on a quand même toujours travaillé 60 minutes jusqu'à la fin. Mais je pense qu'on a quand même mérité ces deux points. Il y a un match contre Berne dans deux jours. La tête, elle était quand même bien focalisée sur ce match à Holton. Oui, je pense, oui. Bien sûr, on sait tout. Lundi, c'est Berne. Et puis, pour nous, c'est de nouveau un grand match. On est à la maison de nouveau. Et puis, on aimerait bien montrer de nouveau à la Suisse qu'est-ce qu'on est capable de faire au Jura. Mais bien sûr, aujourd'hui, on était ici. Je pense, mentalement fort. Ça s'est vu parce qu'on n'a pas... On n'a pas abandonné après le 3-2 ou comme ça. Et c'était, ouais, je pense qu'on est prêt.